Attention tout le monde, on va commencer dans 2 minutes. Attention, on va commencer dans 1 minute 30 secondes. Attention, l'émission va commencer dans 1 minute. Attention, s'il vous plaît, tout le monde en place. L'émission va commencer dans 30 secondes. Attention dans 5, 4, 3, 2, 1, musique. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Gilles Boudrire de Métaro en direct de notre studio Chenou à quelque part au Québec. Ce soir, à l'émission, on reçoit nul autre que le liseur professionnel de tarot, Tibor! Might want to sing it note for note, don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Hey, bonjour tout le monde! Comment allez-vous en cette belle journée du jour de l'an? Ah, non. On n'est pas au jour de l'an. Avec ça, on est un peu n'importe où. Eh bien, bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Bob, petit Bob. Oui. Mais pour les intimes, je m'appelle Bobby, petit Bobby. Ah, ma maman est là qui me regarde. Bonjour, maman. Oh non? Ah, elle me dit qu'elle m'appelait petit bébé. Je pensais que c'était petit Bobby. Eh bien oui, c'est moi, le petit bébé Bobby. Eh bien, je suis liseur de tarot professionnel. Oui, je lis dans les tarots. Pas les tarots avec les vis, là. Les tarots avec les cartes. Oui. Et moi, je suis toujours de bonne humeur. Même quand je suis fâché, je suis de bonne humeur. Regarde, je suis fâché. Et oui, je suis comme ça. Moi, je viens de quelque part dans le monde. Oui. Au moins je viens quelques fois par semaine. Oh mon Dieu, c'est si drôle.
Eh oui, je suis un lisseur de cartes professionnel. Et aussi, je suis coiffeur la semaine. Comment tu aimes ma nouvelle coupe? Je l'ai fait juste pour toi. Je suis beau, hein? En effet, je suis très beau. Ce soir, on va lire les cartes. Oui, on va lire les cartes. Ben, j'en ai plus que quatre, j'en ai 22. On va lire dans ton avenir. Oui, on va lire dans ton avenir. Je suis ici pour répondre à toute votre question. Oui, oui, oui. Je vais répondre seulement qu'à une question parce qu'on est en presse, hein? Le temps coûte cher pour faire une émission comme ça. Alors, je vais faire juste une question. Oui, en effet. Alors, je me concentre, oui, et j'entends que vous pensez, tout le monde, oh, vous avez plusieurs questions. Oui, vous avez plusieurs questions, j'entends le tic, tic de vos questions, tic, mais oui, tic. Ah, non, c'est l'horloge qui fait ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-moi prendre une petite bouffe. Ah. Ah, ça m'aide beaucoup à voir des choses avec ça. Oui. Oh, je vois des papillons bleus. Oh, ils sont beaux. Est-ce que tu vois les papillons bleus? Oh, ils sont beaux, les papillons bleus. Ah, tu ne les vois pas? Ah, ben, on va revenir à nos moutons. Ah, ils sautent, les moutons. Tu les vois sauter? Ah, allez, les moutons. Alors, comme je te disais, je suis ici pour répondre à une question d'une personne qui est là parmi vous. Ah, oh, oh, attends un peu, je me concentre et je sens qu'il y a une personne parmi vous qui a une question pour moi. Oui, 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 est-ce qu'il y a, oh, oh, je vois dans mes cartes, est-ce qu'il y a une dénommée Carole parmi vous? J'ai Carole dans mes cartes qui vient d'apparaître. Oui, Carole, tu es là. Bonjour, Carole. Alors, Carole, tu as une question pour moi? Oui, bien écoute, Carole. Ce qu'on va faire pour pouvoir répondre à la question, tu dois te concentrer et moi, je dois me concentrer sur toi. OK? Je vais me connecter à toi, ma chère Carole, pour comprendre la question que tu as dans ta tête. OK? Alors, laisse-moi me connecter sur toi. Ah, non, je n'y arrive pas, Carole. Je ne peux pas me connecter sur toi. Ah, mais j'ai un autre moyen de me connecter. Ne bouge pas. Et voilà. J'ai une corde électrique ici. Je vais pouvoir me connecter sur toi. Ne bouge pas. Je me connecte. Oh, oh, Carole, le courant passe déjà. Ouh, je me connecte chez toi, Carole. Oui, je vois que tu as une question pour moi. Oh, le courant passe bien. OK, je lis dans ta tête, Carole. Je lis dans ta tête. Oh, Carole, t'es en train de penser à ce que tu as fait hier soir avec ton copain? Ouh, c'est excitant, Carole. Mais non, Carole, reviens sur terre. Oui, pense à la question que tu veux me poser, Carole. Oui, c'est ça. Cesse de penser au sexe et pense à la question, Carole. Oui, bon. OK, je crois que je comprends c'est quoi ta question. Oui, ta question c'est... Ah, s'il va t'arriver un grand événement dans les prochains 2 ans. OK, Carole. On va regarder dans les cartes si tu vas avoir un grand événement dans les prochains 2 ans. OK, tu es prêt, Carole? Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, Carole. Je vais tenter l'expérience avec toi. OK? Je vais te laisser mon corps. Oui, je vais te laisser mon corps. Tu vas entrer dans mon corps pour utiliser les mains. Oui, tu vas utiliser mes mains pour brasser les cartes et ensuite pour choisir les cartes. C'est la première fois que je fais ça. Alors, tu es prête? Je me concentre. Attends, je vais m'aider un petit peu. Ah, oui, je suis prêt. Alors, Carole, je te laisse entrer dans mon corps et que je te laisse utiliser mes mains, Carole. Oui, oui. Ah, je te sens là, Carole. Rentre dans mes mains. Ah oui, c'est ça, Carole.
Je te sens... Carole? Carole? Non, Carole. Il faut pas, Carole. C'est les cartes, Carole. Lâche le sexe un peu. Les cartes, Carole. Oui, Carole. Là, il faut que tu tournes les cartes. Oui, vas-y, Carole. C'est bien. Tourne les cartes. Oh, que tu bouges bien, Carole. Oh, oui. Oh, j'aime ça, Carole. Oh, j'aime ça. Oh, OK. OK, c'est assez, Carole. C'est assez... J'en ai assez. Attends, je vais prendre une petite gorgée parce que j'ai chaud. J'ai chaud à la bouche. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Carole, avec l'aide de mes mains, tu vas piger une carte. OK, Carole, tu piges une carte. Alors, voilà. Puis, je te laisse aller, Carole. Tu vas où ce que tu veux. Tu piges une carte. Oui, elle est bonne. Carole, je suis fâchée, tu as échappé la carte par terre. Regarde comme je suis fâchée. Lâche mes mains, Carole, et je vais aller chercher la carte pour toi. Lâche mes mains. Aïe, aïe, pas si fort, Carole. Merci. Bon. Là, j'ai la carte, Carole. J'ai la fameuse carte. Tu dois la placer devant moi. Voilà. Reprends mes mains. Ben, j'ai compris que tu les avais déjà repris. Alors, Carole, tu vas brasser encore, puis tu vas sortir une deuxième carte. Deuxième carte, Carole. Concentre-toi là sur ta question. OK, concentre-toi. Prends une deuxième carte. Oui, c'est beau, Carole. Place-la sous la première. Sous la première, Carole. Tu sais, comme tu as fait hier, une sous l'autre. Oui, c'est ça, Carole. Bravo, tu as compris le jeu. OK. Tu prends une troisième carte, Carole, et tu la mets à gauche. L'autre gauche, Carole. L'autre, ben voilà. Et tu prends une dernière carte, Carole. Oui. Prends une dernière carte, Carole. Je sais que tu es fatiguée, mais prends une dernière carte. Sinon, on ne pourra pas jouer. Bon, allez. OK. Alors, je prends une dernière carte. Tu la mets à droite. À droite. Oui, dépose-la, Carole. Oh, t'es bien, Carole. Bravo. Maintenant, tu me donnes mes mains. Donne les mains, Carole. Oui, donne les mains. Donne les mains, Carole. Merci. Oh, j'ai échappé la carte. Je reviens. Alors. Bon. Maintenant, nous avons nos cartes et on va répondre à ta question. La question, c'était, Carole, si tu vas avoir un grand événement qui va se passer dans ta vie dans les deux prochaines années. Alors, tu te concentres et je vais me concentrer aussi. Alors, je me concentre. Oups! Excusez. Je me concentre. Carole? Carole, tu es là, Carole? Fais bouger la table, Carole. Fais bouger la table. J'ai pas de bon jeu. Ah non, il faut lire dans les cartes. OK, je vais lire dans les cartes. Alors, Carole, est-ce que ça, si tu vas avoir un grand événement dans les prochains 2 ans, ça, c'est la réponse. Et la deuxième carte, si tu n'aimes pas la réponse, on va aller à la deuxième carte. Et si tu n'aimes pas la réponse, on va aller à la troisième. Et sinon, on va aller à la quatrième carte. Mais je suis sûr que tu vas aimer toutes les réponses de toute façon. Alors, qu'est-ce que je vois? Mais je vois rien, Carole! Tu n'as rien dans tes cartes! Ah! La carte n'est pas tournée! Je vais tourner la carte. Oh, Carole! Carole, grand événement! Oui! Tu vas faire beaucoup de bébés, Carole! Tu vas avoir plein de bébés, regarde! Ben oui! Ah non! Ah, c'est ma carte Kamasutra! Ah, c'est pas le bon jeu! Ben non, c'est pas le bon jeu! C'est qu'hier, on a fait un autre live et c'était les positions Kamasutra. Oui, oui, oui! On a fait toutes les positions sur la table et la table a tellement bougé que toutes mes cartes ont tombé par terre!
J'ai pas ramassé la boîte 4. Oh, on a eu beaucoup de plaisir hier. Mais hey, écoute, j'ai même eu un surnom. Oui, oui, il y a un auditeur qui m'a donné un surnom. Il m'a appelé Tizizi. C'est beau, hein? Tizizi. Ah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je vais aller chercher ta carte. Je reviens. Ah, voilà. J'ai la bonne carte. Alors, mais pour ceux qui ont peur, je sais, là, j'entends les gens qui passent et qui disent « Ah, ben là, il faut pas faire des rapprochements, c'est dangereux à cause du COVID. » Mais il n'y a pas de danger, parce qu'hier, on a fait toutes ces positions dans la famille. C'était toute la famille qui a participé. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Oh, à force de parler comme ça, j'ai un peu la bouche sèche, je vais prendre un peu d'eau. Elle est bonne, l'eau du Québec, hein? J'aime beaucoup l'eau du Québec, elle est très, très bonne. Bon, je vais prendre ça un petit peu. Oh, ça aussi, c'est bon. Il paraît que ces compagnies s'en achetaient partout au Québec. J'ai fait la provision. Oui, j'ai fait la provision, j'en ai acheté plusieurs. Ah, oh, je m'excuse. Je suis tellement excité de vous voir que je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben écoutez, je vais arrêter de trop parler et de trop m'exciter parce qu'il y a une phrase ici au Québec que j'ai appris dernièrement et il disait « Si tu parles trop, enlève-en une couche. » Oh! J'ai bien aimé. Alors c'est ce que je vais faire. J'ai enlevé une couche. Bon, maintenant nous pouvons commencer. Alors, j'ouvre la première carte pour toi, Carole. Oh, 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 c'était bon, c'est bon. Quand elle est à l'endroit, c'est bon, mais là, elle est à l'envers, c'est aussi bon. Alors, pour toi, c'est les étoiles, Carole. Tu vas flasher, Carole, dans les étoiles. Je sens que ton gros événement s'en vient. Allons voir la deuxième carte. Oh! Le soleil, Carole, tu vas briller, 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 briller comme les étoiles. Et le soleil dans le ciel, oui, 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 tu vas briller. Est-ce que c'est pour bientôt? Oh, je suis pas sûr que c'est pour bientôt. Mais, ça, oui, 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 Carole, c'est pour bientôt. Parce qu'ici, on a le jugement. Et le jugement, c'est des choses qui arrivent très, très, très vite. Sauf que, par exemple, il va falloir que tu fasses attention, parce qu'il va y avoir un petit diable avec toi. Oui, c'est le diable, il est à l'envers, il est très, très, très méchant. Alors, toi, tu dois faire attention, parce qu'il y a des petits diables qui vont vouloir te faire signer des choses qui seront pas bonnes, ma Carole. Non, non, non. Mais je te dis, ça vient très, très vite, et tu vas briller de tous tes feux, Carole. Je te le jure, d'ici 2 ans. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Carole? Oui, j'espère que oui. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent avec moi. Et j'espère vous revoir très bientôt. Mais pour l'instant, je dois me dépêcher parce que j'ai un avion à prendre. Parce qu'il faut que je m'en retourne dans mon pays. Mais je ne sais pas c'est où le pays. Je vais sûrement trouver quelque part où aller têter de l'argent, où aller têter du vin ou de l'eau, comme les Québécois. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée, puis une belle santé, puis je vais vous laisser avec cette belle, belle, belle pensée. C'est à la fin de la journée, le problème ne sera peut-être pas réglé, mais je suis sûr qu'avec ça, tu vas t'en ficher. Merci beaucoup les amis. Santé, à la prochaine. Bye bye.